Nuages. 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 Ombre, ombre, ombre. Dizana, but that's the way. That's the way. Mm-hmm. That's the way. That's the way. L'autre jour, le dernier vidéo que j'ai fait, je faisais exactement ce que je fais là. Je prends le sel et je suis les fils électriques à travers mon voisinage. J'ai commencé ça l'hiver passé, je me disais. C'était très problématique. La première fois que je marchais dans cette rue ici, c'était la première fois que j'ai décidé de prendre une GoPro et de filmer la rue. Tu sais, je me disais, sans malice, je voulais l'ambiance de la rue. Et je me suis aperçu qu'en fait, quand, tout de suite, il y avait un père de famille avec son enfant. Là, moi, c'est comme je voyais qui était dans mon chemin, qui se promenait avec. Je me souviens plus. Parce que l'enfant est en bicycle. Donc, le père me demande, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Là, moi, tu sais, dans le fond, je prenais la rue, je prenais pas l'enfant, justement. Voyant que le père arrivait avec l'enfant, je me disais, bon, ben, je vais filmer à côté. Je place l'objectif de côté, mais je donne l'impression que je filme les appartements qui sont là. T'sais. D'où la question du bonhomme, de me dire, mais qu'est-ce que tu fais, toi, là? Et moi, je réponds assez grossièrement, cavalièrement, si tu veux. Écoute, là, c'est pas de tes affaires. Occupe-toi pas de ça, tu sais. Je te filme pas. C'est ce qui compte. Tout ça que j'ai dit, tu sais. Je l'abandonne à son angoisse de penser que j'étais en train de filmer, d'espionner la vie privée des gens. Et je comprends bien. Que maintenant, t'sais, hey, franchement, t'sais, je les ai vus, t'sais, c'est cette caméra-là que je tiens là, dans mes mains, manifestement, là, t'sais. Je peux la mettre sur ma calotte, puis à peine on s'aperçoit que je filme ce que je veux filmer, effectivement, le ciel.
Un choquant avec ça. Scène urbaine. Un chausson avec ça. Un nuage avec ça. Tu sais, j'hallucine en crise. Je peux
Je sais pas pourquoi j'ai le site de même. Je fais des points noirs. Aïe aïe! Qu'est-ce qui se passe? Ça révolte! La révolte des nuits! C'est ça qui est tombé. C'est autre qui est pogné dans mon pupille, dans mon quoi? Dans mon œil. C'est parce que j'ai figé quelque chose. Putain. Peut-être. Me sens bizarre. Okay. Sam poulet,
Poulet, tu avoir pour Saint-Saint. Du bon poulet, du poulet désossé. Du poulet, du poulet. Du poulet. Nanana. Ça, c'est le test qu'il va faire, qu'il va décider que j'ai cet hélico, une nouvelle cam. Je pense que je vais en acheter une autre. J'ai pas fait attention à celle-là. J'ai échappé beaucoup de fois. Une fois, j'ai échappé mon café dessus. Je l'ai noyé dans le café. Une autre fois, carrément, je l'ai échappé. Là, elle éclate en morceaux, je l'ai remonté. La lentille là-dedans, elle a revolé pas mal. Là, là elle a un petit accro. La voyez-vous? Dans le ciel. Voyez-vous des chemtrails? Il aime ça, dans le fond. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fin de compte, ils entretiennent toutes ces théories du complot. C'est ça, le complot. Toutes ces faussetés, là, sont entretenues par... Tu sais, Prigogine, il inventait ça, tu sais. On va mettre de la fake news, on va faire de la bisbille dans les pays. Tabarnak, il va me tuer. Hein? Il avait la pression de me pogner, lui. C'est une malade mentale. Ça ne s'est pas conduit. Ça court après les piétons. Ça se prend pour être... tu sais, dans le fameux jeu où est-ce qu'on tue les putes. Connard. Mais non, mais je veux dire, c'est ça, hein. Ils entreprennent toute l'idée des mensonges. Mais tu sais, ils font pas en sorte de taire ces mensonges-là. Ils les propagent. Même ceux qui y croient pas, là, ça sert à... On voit bien que ça sert à désinformer, tu sais. À désinformer, c'est pourquoi, que ça donne de désinformer, ben regarde, ça donne que t'es pas informé, puis ça donne que t'es pas informé, puis que quelqu'un lui a dit le pouvoir, c'est info, c'est information. C'est mon ton brésil. Lui est gentil. Moi, c'est une femme, une gentille femme. Elle voulait pas me tuer. Peut-être tantôt, j'ai arrêté quelques minutes, même presque, ici, pensant que c'était un beau moment de voir ces arbres maintenant. C'était quoi? C'était fou, toi, c'était plate. Il y a un recoin de rue, tu sais, où est-ce que j'ai entendu tourner quatre autobus, le temps que j'entendais, que je... J'écoutais le vent passer dans les feuilles. C'est ça ma nature, moi, ça veut dire. Tout à coup, quand tu t'imagines, tu t'images, comme je sais pas, un insecte pris dans un recoin d'un appartement, vivre dans son royaume de poussière et finalement, ce pauvre royaume, qu'on pourrait dire. Pas royaume de pauvres, mais pauvre royaume. Je veux dire que c'est notre lot. T'sais. J'ai l'impression que la consommation, c'est la réponse à se sentir si malheureux d'être que des gens par trop matériels et que matériels. Qu'est-ce qu'on a de spirituel? Je connais peu de gens qui réfléchissent. Et quand tu regardes les chiffres qui font que 1, 2, 3% de la population est éduquée, et est éduquée dans le sens assez éduquée pour se poser des questions d'un ordre supérieur, c'est-à-dire genre être ou ne pas être. Ne pas être étant la solution finale, ou
Pas nécessairement, tu sais, juste de poser l'idée. Effectivement. D'un peuple qui peut penser à dire si mon peuple ne règne pas, aucun peuple ne devrait régner. Tu sais, c'est un fanatique. Patriotique, nationaliste, toutes sortes de histes. Tu sais, des fatalistes à la petite semaine qui peuvent vouloir la fin du monde finalement. Tu sais. Ils se disent, ben, pourquoi pas, tant qu'à ça, tu sais, hein, vu que Dieu gagnera pas. À la Calibar, je sais pas. Même, tu sais, le nôtre, c'est mon Dieu. Non, mais le Dieu qu'on m'a inculqué, c'était un Dieu qui, comme solution, trouvait l'idée de se faire tuer par les autres. Tu sais, c'est extrême, mais c'est extrêmement victime. C'est une idée comme ça. Pas sûr que. Les autres, ils voyaient ça une sacrée. Je sais pas. Moi qui pouvais bien voir ça. Tu sais, je pense pas que la philosophie chrétienne est née, on la comprenne d'aujourd'hui. Je sais pas si t'as permis. Je sais même pas qu'est-ce que. Je suis mis, je suis pas bien. Là, je t'en ai, je vais éteindre.